retrouve pour un nouveau vlog pour les médiévales d'Orny. Du coup, les costumes, on est vachement sur un truc moins compliqué que l'année dernière. Bah en fait, il s'est passé un truc entre temps. Du coup, j'ai essayé le costume de l'année dernière. Et franchement, c'est pas mal. Bon bah là derrière, voilà. C'est sûr qu'il y a une ouverture un peu plus conséquente. Mais je vais mettre un débardeur en dessous et ça sera parfait. Avec un pantalon aussi, un genre de legging. Jus, faut encore qu'il bricole un peu quelques détails sur son costume. Moi je vais porter ça, je vais peut-être rajouter cette bande. Donc moi je vais prendre ma ceinture comme d'habitude avec ma corne et ma sacoche. Et je vais peut-être rajouter ça. Je sais pas encore, histoire que ça soit un peu plus travaillé que juste cette robe toute simple. Donc voilà, bon elle me va plus là, mais il faut que je la retravaille. Voilà. Je vais mettre mes fausses dreads sur la tête en mode Lagertha et ça sera parfait. Ah j'ai aussi mes manchettes. Ouais, je sais pas encore si je mets mes manchettes. Je sais pas, on verra la météo aussi. La météo va vachement jouer. Ou alors, ouais, mais. Ou alors, je mets pas mes manchettes et je mets juste celle-ci. C'est bien aussi. Vous voyez ma ceinture avec tous mes accessoires là. Si à un moment ça me saoule, je pense que je le porterai comme ça, quoi. Parce que je veux pas que ça appuie sur mon ventre. Ma corne. Ouais, il y a des trucs pas homologués dedans. Bah, faut que je la lave, quoi. Cette année, bon bah c'est flotte hein. On est le mercredi 24. Et donc c'est J-1, 2, 3, 4. J-4, donc je vous retrouve, je pense, J-2, J-3 pour les dreads. Jules va m'aider à faire le quadrillage. Je fais cercle des flammes, protège-moi du mafi sauvage. Cercle des flammes, protège-moi du mafi sauvage. Entends notre appel. On fait comme ça. Bah ça va fonctionner au moins. Ça va pas fonctionner. Ah oui, il faut que je fasse une brosse. Qu'est-ce qu'il veut, qu'il dit pas content. Une brosse et un pet. Rama Persillade, Rama des Ramayades. C'est barbecue party, wa. Il est à sa place. Normalement, s'il a été rangé, il est toujours au même endroit. Ça vous dit rien? Je suis prête. On est là toute l'après-midi. Non, mais ça va. Jusqu'à une heure raisonnable, parce qu'après, je travaille. Ouais. Vas-y. Alors, moi, je propose de le remonter comme ça, faire quelque chose de très esthétique, en même temps très dans l'air du temps. Voilà, relevez la tête. Parce que dessus, je veux faire ma coupe un peu Lagertha. Et sur les côtés donc, aussi. Je pense que ça, il n'y a pas. Ça, Oh, le bébé gigote. Ah, le bébé gigote. Alors. Bon, ça va être long. Donnez-moi un petit élastique là. Salut vous. On est à J-1. Hier j'ai posé mes dreads. Je suis plutôt contente. Bah, les préparatifs. C'est déjà tout près de mon costume de l'année dernière. Que j'ai épuré le plus possible parce que étant enceinte, je pense que je vais vouloir le plus de légèreté possible. Et donc ne pas m'encombrer avec des accessoires qui vont. Ils vont me gêner. Parce que je pense que je fais déjà quand même pas mal debout. Même si je vais essayer d'être assise le plus possible. Je pense que je vais marcher pas mal aussi. Donc je vais prendre avec moi un petit tabouret de camping.
Désolée, je fais ma commande en même temps parce que mes clients attendent et je suis un peu à la bourre. Aujourd'hui, ça va être préparation surtout du costume de jupe. Je pense qu'il s'est dit qu'il fera ça en 2-2 aujourd'hui, mais je pense que je lui filerai un coup de main quand même. Il y a aussi un copain qui passe à la maison début d'après-midi parce qu'il n'a pas de costume. Du coup, il y a peut-être... Avec ce qui nous reste, moyen de lui faire un truc. On verra bien. Tada! Oh, j'ai regardé la météo, je vous ai pas dit. Il fait grand beau. Pour demain, j'entends. Pour demain, il fait super beau et je suis ravie parce que ça va être génial. De l'air, du soleil, c'est vraiment le combo gagnant pour Andy. Là je discute, mais il faut que je regarde à qui j'envoie cette commande, donc je vous retrouve tout à l'heure. Vous êtes content? Ravi. Vous êtes fatigué? Oui. Ah, on va bien s'amuser, être des petits médiévistes. Ah bon, on va être des petits fanfarons quoi. Des vrais petits fanfarons. On va fanfaronner. On met les chaussures et on y va. Alors, la technique pour mettre des chaussures. Tout un imbroglio, hein. Yeah. Est-ce que j'ai les ongles de doigts? Yep. Présentable, ça va. Au pire, on est dans le thème. Ah non! Bon, bah, je peux pas mettre mes sandalettes. Elles se mettent pas de l'intérieur, de l'extérieur. Oh, super. Bien joué, Aude. Ah, c'est bon. J'y vais à l'aveugle. C'est bon. Hey, mais on est des vrais petits aventuriers à cette heure-là. Ouais. Il est quelle heure? 7h30. Et nous, on a la meilleure des gaines. Sur un fond de Britney Spears, The Martyr. J'espère. Ah oui, non. Qu'est-ce qu'elle a autant pour moi? Promis, je ne bouge pas dans la paille. Ça m'arrangerait. Les doigts. Mais vous jouez pas un groupe Stupéflip ou Une petite indigène la récupérer à la ligne d'eau. Pas de tontu. Pas de tontu. Elle a vu en dessous. Elle est folle. On est super haut. T'as peur des ponts? On est à côté d'un pont. J'essaie de filmer, mais je crois que ton papa il va avoir une vidéo. Non, mais moi je filme là déjà. Comment il s'appelle lui là? Un peu chaotique. Comment il s'appelle lui? Mais poussez-moi pas. Allez là. Ah, mais j'adorais ce dessin animé. Coucou. Ah, mais c'est. J'adorais ce dessin animé. Allez, on vise lui avec son t-shirt. C'est très marrant ce qui se passe. Ah, ça secoue. Bon, bienvenue au Médiéval d'Andy. Ah, tu vas dire à tout le monde. Bidou! Ça va être doucement et sûrement aujourd'hui. Diantre! Que ce sandwich est bon! On est direct à l'entrée. Elle a une quête à nous donner. Elle va nous donner une quête. Ramasser mes framboises que j'ai égarées à travers tout le parc d'Andy. On s'est clairement fait gronder. Il est allergique comme Suzanne. Quand t'es un âne, et encore moins comme un âne au fromage. Moi, c'est que l'humour aujourd'hui. C'est sympa la mise en pli. Si crash, je hurle. Kiki!
Profitez du bal des chevaliers. Lavez-vous. Pensez à votre hygiène corporelle. La forêt enchantée. Halte, on n'avance plus. T'as vu l'autorité? Faites des sourires. Tu es tombé ? Notre saint emblème, amen. Amenez tout ce que vous avez chez vous, chez nous. Amen. N'emmenez rien de chez nous, chez vous. Amen. Ah bah c'est ta mère. Est-ce que vous voulez m'expliquer ce qu'on fait ici là ? Là, alors ici, il faut savoir que c'est un atelier qui vient d'être créé. C'est un atelier sieste. Et cette jante dame là, vous êtes sûr qu'elle est vivante ? Ouais, elle est vivante parce qu'elle se retrouve ses pieds. On aperçoit un visage. Elle fait partie de la team des petons fragiles. Les petons fragiles, ah oui, d'où la béquille. Bon, on dirait vraiment une pauvresse.
qui a été assassiné et recouvert d'une étole. Et moi je suis là avec mon gros bidou. On va essayer de se reposer un peu et après on va aller voir la rive. C'est le programme. Comment ça se passe toi? Ça va, j'attends la roue du pan. Alors toi? Bah s'il daigne bien nous offrir sa belle roue. Non, il fait des fois. Elles sont belles. Ah. Petit point d'herbe là-dessus. Je veux rappeler les règles. Bah il y a une noisette qui est déposée dans le tube et il faut la puncher. Quand elle arrive. Quand elle arrive. Là c'est des noix. Pose la noix dans le tube. Franchement, ah ouais, donc ouais, faut avoir un méga réflexe. On prend un petit piquet. Ouais, ça se balade. Ah ouais, moi j'ai pas encore de laisse. Mais il séduit sa chérie. Il lui montre à quel point il a des belles plumes. T'as vu mes belles plumes? Il veut l'impressionner. Et elle, elle en a rien à carrer. Les trucs de sable. Ouais, tout à fait. Pas de soucis. Je vais fermer vite pour vous garder le chaud pour pas prendre la belle. Ah, c'était rapide. Qui a les clés? Ouais, c'est des grands malades, vous. Hein. Vous avez bien trouvé tous les deux, vous êtes des sièges tout. Franchement. Ça y est, d'un coup. Une Excel. On est clairement sur du tout terrain, là. C'est une base. Comment il nous a pas respecté, le monsieur? Pas. Faut laisser passer les gens, hein. Surtout les handicapés, c'est... on est deux handicapés. Oui, on vous ferait dire. On vous ferait dire. Merci. Merci bien. La dame là, elle était gentille. Nous, on est capable d'accoucher maintenant. Non, faudrait éviter. Le premier qui accouche, sa mère, c'est lui. C'est hyper vulgaire. Ça, c'est bizarre. Putain. Si, mais elle l'a percuté que à la fin quand elle a dit.